somebody. C'est toi qui marches avec les pauvres et tu les rends riches. C'est toi qui marches avec les malades et tu les guéris. Parce que tu es le Dieu insondable. Tu es tellement incomparable. On ne peut jamais te comparer, Seigneur. On ne peut jamais te comprendre, Seigneur. Lorsque j'essaie de te comprendre comment tu guéris, tu changes de position. Tu deviens Jéhovah Jiré pour subvenir à mes besoins. Lorsque je m'accroche à toi en tant que Jéhovah Jiré, tu changes de position, tu deviens El Shaddai. Lorsque je m'approche de toi, le maître de paix, oh Maraba Shetarababa, oh Shalom éternel Dieu, tu changes de position, tu deviens le puissant guerrier. Comment pourrons-nous te comprendre? Comment pourrions-nous t'adorer? Ce matin, nous ton peuple, nous sommes là pour toi. Oui éternel Dieu, la Bible me dit, un jour dans tes parvis, vaut mieux que mille ans. Seigneur Dieu de gloire, ce matin, nous avons fait le choix de venir prier. Nous avons fait le choix de venir t'adorer. Nous avons fait le choix de venir t'écouter. À chaque fois qu'on se met à tes pieds, tu nous parles des paroles tendres, des paroles qui bouillonnent, des paroles qui transforment, des paroles qui, oh mon Dieu, qui nous amènent dans des lieux où on ne pouvait pas entrer. Quel est ce Dieu si grand? Quel est ce Dieu qui a créé le ciel? Quel est ce Dieu qui connaît toutes choses? Quel est ce Dieu qui connaît le nombre de nos cheveux? Quel est ce Dieu, oh my God, qui a pris notre place à la croix, qui est descendu à mon niveau? Moi si courte que je suis, moi si laide que je suis, moi si pécheresse que je suis, mais le Dieu d'Israël, Jésus Christ de Nazareth, tu es descendu et tu as pris ma place. Oh Jésus, mon kota kokani nanzamboyo. Mon kota zalokolaye. Mon kote, mon kote, mon kote. Mon kote, mon kote, mon kote. Na likolo, mon kote. Na mabele, mon kote. Na se na mabele, mon kote. Aza mon kondi. Oh, etonga tombola mon gongo pambola kombona Yesu. Azaliawa, azanzambo aye bibiso, azanzambo alinga kabiso, azanzambo apona yo, azanzambo abengi yo. Oya gumba mela kanzambe, eza oyo nzamba bengi. Mokolozo gumba mela ena tongo na lelo, seki abengi yo gumba mela elelo. Jésus, Jésus. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia. Je veux te chanter, Seigneur, alléluia. Lui seul est tout mon trésor. Alléluia. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Alléluia. Je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. C'est pour moi que tu es mort. Chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi
tu es ta demeure. Alléluia. Que ma vie soit une fleur. Alléluia. Un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia. Chante. Toi, Seigneur, alléluia. Qui peut respirer si toi tu ne lui donnes le souffle de vie? Qui peut parler si toi tu ne permets que la personne ne parle? Mon toi koki koloba kaka sokiyo opesien dingisa ya koloba. Mon toi koki kope makaka sokiyo opesien pe manabo moi. Pambola mamo kondina lola. Pambola mamo sikoli, pambola manzambe na banzambe, na kombo na Yesu, que l'honneur, la gloire, la louange te reviennent à jamais. Au nom de Jésus, tobeteli Yesu maboko. Amen, 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 amen. Ah, notre Dieu est merveilleux. Ah, notre Dieu est merveilleux. Amen. Ah, on s'aimait dans le nom de Jésus. Ah, Dieu est puissant. Notre Dieu ne change pas. Notre Dieu, il est Dieu. Il restera Dieu pour toujours. Amen. Même si on disait que non, on veut changer de camp. Mais notre Dieu, il t'attend toujours là où il t'a placé. Amen. Amen. Ah, je bénis le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu. J'ai béni Dieu pour ce matin. Dieu est bon. Et je remercie l'homme de Dieu qui m'a fait confiance de parler de la part de Dieu. Amen. Notre vie est une vie de surprise. Même toi-même, quand tu te lèves le matin, tu sens comme si tu voulais abandonner. Mais il y a toujours une force qui monte en toi. Qui te dit que vas-y. Qui te dit lève-toi. Car tu peux encore. Oh, notre Dieu est merveilleux. Lorsqu'il renouvelle sa bonté le matin, ce qui veut dire ce qui était hier, c'est passé, c'est fini. C'est pour cela en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque tu te réveilles le matin, regarde ton miroir. J'ai l'habitude de le faire. Quand je me sens abattu, je cherche la Mireille de l'intérieur. La Mireille que la Bible dit, c'est l'esprit qui est fort. C'est cette Mireille-là que je cherche. Je ne cherche pas la Mireille de mon âme. Je ne cherche pas la Mireille de mon corps. Mais je cherche la Mireille qui s'attend à l'esprit de Dieu. Et cet esprit lui dit, lève-toi. Tout ce que tu peux faire, fais-le, parce que l'Éternel est avec toi. Oh, que Dieu te bénisse ce matin. Toi qui as pris la décision de venir dans la présence de Dieu. Toi qui as tout laissé. Toi qui as laissé ton lit. Se réveiller le matin, c'est difficile. Mais tu t'es réveillé le matin. Tu as laissé ton lit. Et tu t'es dit, je pars chercher. Tu n'es pas parti chercher n'importe okay, qui. Mais tu es venu chercher celui qui a tout en tout. Celui qui a tout en tout. Dans tout ce que tu recherches, ne se trouve qu'en celui qui a tout en tout. Que celui qui a tout en tout soit béni ce matin. Et que lui en tout accomplisse toutes choses ce matin. Oh, notre Dieu est merveilleux.
comme nous tous nous l'avons aperçu, notre papa n'est pas là. Il est parti prêcher à Paris. Que Dieu l'assiste encore. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ruth. Je veux parler de ces livres, mais je ne lirai que quelques passages. Alors nous allons lire dans Ruth 1. Du premier au sixième verset. Ruth 1, premier au sixième verset, nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. Du temps de juge, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de la femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses deux fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses deux belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Amen. Amen. Ah, tovani na kombona Yesu. Ruth. Luta. Je crois que nous tous nous connaissons l'histoire de Ruth. En lisant ces livres, moi je crois que quand nous lisons les livres de la Bible, dès le premier chapitre, lorsqu'on parle de quelqu'un, on intitule le livre au nom de la personne qui a été mentionnée le premier. Moi j'aurais souhaité qu'on intitule ce livre Naomi. Pourquoi je voulais cela? Parce que cette femme, elle avait tout perdu. Elle a d'abord quitté ses parents. Et s'est mariée avec Élimélec. Et après, elle s'est déplacée. Elle a tout laissé derrière elle. Et ils sont partis à Moab. Et arrivé à Moab, elle a perdu son mari et ses deux fils. Mais Dieu ne regarde pas ce que tu as perdu pour faire de toi ce que tu es. Alléluia. Amen. Donc ce n'est pas le fait que Naomi avait tout perdu qu'on devait intituler ce livre Naomi. Mais on a intitulé ce livre Ruth. Luta. Wow. Quand Dieu veut faire quelque chose, il ne regarde pas si tu as perdu quelque chose ou pas. Le livre de Ruth est le 8e livre de la Bible. C'est vraiment une histoire très touchante qui se situe dans le cadre du déclin d'Israël. C'était précisément vers la fin du règne des juges. Parce que la Bible dit ici, à l'époque des juges. C'était vers la fin. Et puis on assume que c'est soit Samuel qui a écrit ce livre de Ruth. Pourquoi on suppose que c'était lui qu'on avait choisi qu'il écrive ça? C'est parce que l'auteur du livre, il fait la liaison il lit la généalogie de Ruth à celui du grand roi. Donc, le chef d'Israël qui était David. Donc ce livre a été écrit pendant le moment où on niait David
pour devenir le roi d'Israël. Parce qu'il était difficile de choisir un roi en Israël sans pour autant connaître sa généalogie. Alors il était important de donner la généalogie de David. Et on a lié Ruth au roi David. Oh, notre Dieu merveilleux. La situation qui s'était produite en Israël, la famine avait fait en sorte que Elimelech quitte Bethléem pour aller à Moab. Et pourtant Moab un pays voué à l'interdit. C'était un pays maudit. Quelle est l'origine de ce peuple? Si on peut aller dans Genèse 19. Genèse 19. Genèse 19. Le verset 30e. Vous pouvez lire du 30 au 37. Mais moi je ne lirai que le verset 36 et 37. La Bible dit ceci. Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. L'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites jusqu'à aujourd'hui. La plus jeune mit aussi un fils au monde et elle l'appela Ben-Ami. C'est l'ancêtre des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Donc nous voyons que ce peuple venait des relations incestueuses. C'était une relation entre Lot et sa première fille. Et pourtant Dieu interdit cette relation. Mais cette fille a mis au monde et a donné le nom de Moab. Et la descendance de Moab, Ruth est une de la descendance de Moab. Luta azali koko ya bakita na Moab. Elle est une Moabite. Azali mwana na Moab. La Bible nous a dit ici dans Ruth. Biblia lobi na biso na mukana na Luta. Que Elimelech était parti à Moab pour s'établir. Elimelech akende ko vanda na mboka na Moab. Quand on parle de l'établissement, ngo balobi ko vandisama. Ce qui veut dire quelqu'un est parti ici comment? Il restait là où, dans cette ville-là. Donc il veut rester pendant longtemps dans cette ville. Donc Elimelech n'avait aucune idée qu'il pouvait rentrer. Mais Dieu est bon. Parce que Elimelech ne devait pas vivre dans ce pays maudit. Et ce qu'il a encore fait, il a pris pour femme à ses enfants des Moabites. Oh mon frère, ma soeur, tu peux avoir des décisions dans ta vie. Tu peux quitter la maison du pain, partir quelque part. Tu te dis que là je veux, communément comme on dit, que bota misisa. Là je vais m'établir et m'installer définitivement. Mais Dieu, il est multisystème. Parce qu'il savait que Elimelech avait fui la faim. Il n'y avait pas à manger à Bethléem. Il y avait à manger à Moab. Il y a des fois toi tu quittes la présence de Dieu. Parce que la situation devient tellement difficile. Dieu a regardé. Dans cette histoire, il y a deux volets. Je parle d'abord du premier volet. Dieu a regardé. Il a dit ceci. Non. Si je le laisse, il n'a pas l'idée de rentrer. Je veux couper l'arbre qui ne porte pas de fruit. Oh mon frère, ma soeur, ne t'éloigne pas de la maison du pain. Parce que si tu t'éloignes de la maison du pain, l'éternel Dieu des armées, il est capable d'arracher cet arbre. Dieu a enlevé Elimelech. Il a enlevé Kiljon et Maklom. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il ait une descendance à la population ou à la nation des Moabites. Et l'autre volet, si
tu veux atteindre quelqu'un qui habite en Moab, il est capable de prendre quelqu'un dans la maison du pain et l'amener là-bas. Oh mon frère, ma soeur, amen. Toi et moi, nous sommes des peuples maudits. Parce que nous ne sommes pas des juifs. Mais comme Dieu voulait nous atteindre, ça c'est le deuxième volet. Il a envoyé Naomi et Elimelech dans ta vie. Afin de te prendre là où tu es. Et de t'amener. Wow. Amen. À Bethléem. Notre Dieu est merveilleux. Maintenant, arrivé à Bethléem. Parce que le verset 14-22 a montré combien Naomi et Ruth, ils se sont déplacés, ils sont partis à Bethléem. Dans le premier chapitre, on parle de Ruth. Maintenant, dans le deuxième chapitre, la Bible dit arrivé à Bethléem. On dit Ruth, la Moabite. Moi, na mboka la Moab. Donc, c'est ce qui veut dire, on a pris le nom de Ruth, on a attaché l'origine de Ruth, on a pris le nom de Ruth, on a attaché la situation de Ruth. C'est comme aussi aujourd'hui dans ta vie, lorsqu'on appelle ton nom, on attache toujours quelque chose qui te qualifie. Oh, notre Dieu est merveilleux. Ruth, Luta. La Moabite. Mais la Moabite, le thème de cet après-midi, de ce matin, nous allons parler de la Moabite. Maman, la Moabite. La Moabite, ce que veut dire la Moabite, c'est... La Moabite veut simplement dire étrangère aux alliances. Étrangère aux alliances et à la promesse de Dieu. Deutéronome 23 nous le dit. Deutéronome 23, le verset 3e. Le verset 3e et 4 qui dit ceci. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa dixième génération n'y entrera pas. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération, et c'est pour toujours. Donc, comme Ruth est arrivée à Bethléem, dans la nation de l'Éternel, directement on commence à qualifier Ruth. On l'appelait la Moabite. Pour préciser que cette fille n'a pas droit à l'héritage. Pour préciser que cette fille n'est bonne à rien. Il peut aussi arriver dans ta vie. Nous vivons aussi des situations ici. Nous les chrétiens, lorsqu'on arrive quelque part, vous verrez les gens vous dire, Yosamo Christ. Tu es chrétien. Toi tu es chrétien. Donc quand on appelle ton nom, on attache ton identité simplement pour te dire ta place n'est pas ici. Et c'est ce qu'on avait collé à Ruth. Il y a des choses qu'on colle sur toi que tu le fais lui passer vrai. C'est vrai que tu es la Moabite. C'est vrai, nous étions réellement des Moabites. On n'avait pas droit à l'héritage de Dieu. On n'avait pas droit à la vie de Dieu. Ruth, la Moabite. La vie chrétienne, hein? La vie chrétienne victorieuse est une vie de nouveau commencement. C'est qu'eux ne savaient pas. Lorsqu'il appelait Ruth, la Moabite, Moab, il ne savait pas qu'avec Dieu, on recommence toujours quelque chose. Oh, tu m'as pas compris. Avec Dieu, on recommence toujours quelque chose. Et Dieu est capable de nous surprendre. Wow, Dieu est capable de nous surprendre. Lorsque tu vois que tout est mort,
lorsque tu vois que tout ne marche pas, Dieu est capable de te surprendre. Dieu l'a fait avec Jacob. Jacob croyait que son fils Joseph était mort, mais Dieu l'a surpris. Notre vie est une vie d'une nouvelle commencement. Que tu le veuilles ou pas, olinga, c'est olinga, vrai, aujourd'hui je suis ici. Et demain, quand je vais arriver demain, Dieu qui va renouveler sa bonté, il rendra toutes choses nouvelles dans ma vie. Je suis aujourd'hui Ruth la Moabite. Je n'ai pas droit à l'héritage. Mais dès que je dors, il y a un soir. Et il y a un matin, la terre avait changé de forme. Contrairement au livre des juges, les hommes ou les gens, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais dans les livres de Ruth, la différence est que Dieu était capable de faire tout ce qu'il voulait. Dieu ne regarde pas qui tu es. Dieu ne regarde pas là où tu viens. Malgré les tragédies de sa vie, malgré les influences négatives de sa vie, malgré les trajectoires de sa vie, Ruth a fait un choix. Ruth a fait un choix. Si tu veux changer ton identité, si tu veux entrer dans le plan de Dieu, malgré tout ce que tu es en train de vivre, tu dois faire un choix. Pourquoi tu dois faire un choix? Parce que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Elles étaient à deux. Mais Orpah, elle a choisi de retourner dans sa nation, dans sa patrie. Mais la Moabite, elle a regardé. Elle s'est dit, je n'ai rien à perdre. En fait, je vis dans une ville qui est maudite. Dois-je rentrer là où je vis? Ou je dois suivre cette vieille mère? Vous savez, hein, c'est difficile de faire un choix de tout abandonner. C'est vraiment difficile. Parce qu'elle était encore jeune. Elle pouvait se remarier. Mais elle a choisi de suivre Naomi. Dieu, pour accomplir des choses dans ta vie, il ne regarde pas ce que tu avais fait hier. Il ne s'attarde pas ce que tu avais dit hier. Il ne regarde pas tu es né de quelle famille. Raison pour laquelle, si tu lis la Bible, tu verras que ceux qui ont marché avec Dieu, c'était des gens qui vaut rien. Il arrive comme ça. Il voit Gédéon. Il lui dit, vaillant héros. Quelqu'un qui n'a jamais combattu. Mais on l'appelle vaillant héros. Peut-être que tu es en train de regarder ta vie. Tu regardes ton passé. Que j'avais fait ceci. J'avais fait cela. Ma famille n'est pas reconnue. On ne connaît même pas le nom de mon père. On ne connaît même pas le nom de ma mère. Dieu ne s'attarde pas à cela. Ton antécédent n'intéresse pas Dieu. Ça n'intéresse en aucun cas Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il se lève et il le fait. Amen. Ruth, elle a choisi. Elle a choisi de partir avec une vieille mère. Et puis cette femme lui dit, je suis déjà vieille. Même si j'arriverai à être grosse aujourd'hui, des gens qui ont déjà fait ces choses avant toi. Et ils te diront, non, abandonne. Abandonne parce que ça ne va pas marcher. Mais Ruth n'a pas regardé à ça. Ruth, elle s'est dit, non, je veux partir avec cette femme. Elle déclara
Ton Dieu sera mon Dieu. Là maintenant, elle commence à renoncer à des choses. Lorsqu'on fait un choix, le choix amène le renoncement. Elle a commencé à renoncer. Elle a dit ceci. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ta nation sera ma nation. Oh mon frère, ma soeur. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois savoir faire un choix. Tu dois savoir faire un choix. Les expériences passées ne te donneront jamais la victoire. Tu n'auras la victoire que dans de nouvelles expériences. Parce que les nouvelles expériences sont inattendues. Tu ne les connais pas. Tu ne sais rien. Comme Ruth, elle ne savait pas là où elle partait. Elle ne savait rien de Bethléem. Elle s'est dit, ton Dieu sera mon Dieu. Quel Dieu Ruth parlait-elle? De quel Dieu elle parlait? De Dieu qu'elle n'a jamais vu. De ces dieux qui les avaient rejetés. De ces dieux qui les avaient maudits. Mais Ruth dit, non, ton Dieu sera mon Dieu. Oh mon frère, ma soeur, est-ce que dans ta vie, que tu te mettes un peu, et que tu regardes là où tu viens et que tu fasses un choix. Amen. Il est difficile, hein, de se jeter dans l'eau qu'on ne connaît pas la profondeur. Lorsque tu connais la profondeur des eaux, tu sauras là où tu es jeté. Mais Dieu nous dit, jette-toi et je te ramasserai. Tu dois avoir confiance en Dieu. Tu dois avoir confiance en Dieu. Dans toutes choses, tu dois avoir confiance en Dieu. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. Peu importe ce qu'on est en train de te dire. Peu importe ce que ta situation te dit que tu es. Peu importe ce que ton cœur te convainc de ce que tu es. Crois en Dieu. Ruth a dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle a renoncé. Elle a renoncé aux certaines choses de la vie. Peut-être là où elle habitait, il y avait des gens qui la connaissaient. Ils connaissaient que Ruth était une bonne fille. Il y avait ses frères. Il y avait ses sœurs. Il y avait tout. Mais elle a renoncé. Elle a renoncé. Renoncé. Parce que si elle restait à Moab, elle pouvait se marier. Oui, elle allait changer de statut. Mais elle a refusé de changer de statut. Sachant que là où elle est en train de partir, il serait difficile pour elle de se marier. D'où sa situation serait la même. Donc elle sera veuve. Et pourtant en Israël, les veuves, ils avaient un accoutrement différent des autres. Il était difficile à une personne de les approcher. Ce qui avait fait que Tamar, lorsque Tamar, ses maris mouraient, Israël devait donner à Tamar son dernier né. Israël est Seigneur Pessa Nadamar Mouana Souma. Mais Jacob n'a pas voulu. Et Tamar a été habillée en habit de veuve. Tamar, elle était reconnaissable partout. Peut-être aujourd'hui, les habits que tu es en train de porter, dès que tu passes, les gens savent que c'est toi qui étais passé. Oh, tu n'arrives pas à me comprendre. Ton accoutrement, ton visage, ta façon de parler, ta façon d'être, dès que tu es en train de parler, tout le monde reconnaît. Ah, c'est la mobola. Ah, c'est la veuve. Mais Tamar, ce jour-là, elle a changé des habits. Elle s'est habillée en prostituée. Parce qu'elle savait que elle a droit à voir l'enfant de Jacob. Comme Jacob ne voulait pas lui donner son dernier fils, Tamar est partie
coucher avec Jacob. Oh mon frère, ma soeur, je veux que ce matin, que tu enlèves les habits de veuve, que tu enlèves les habits de mère d'amertume, que tu enlèves les habits de tristesse, que tu portes les habits de joie. Parce que ton Dieu qui est au ciel, il n'a jamais changé. Ruth, elle a tout abandonné. Elle a renoncé. Et pourtant, elle savait qu'en Israël, il lui était difficile d'avoir un mari. Il était difficile. Un, elle était veuve. Deux, elle était moabite. Double infraction. Moabite, elle n'a pas droit à la promesse. Qui peut se marier avec quelqu'un qui n'a rien? Qui peut se marier avec quelqu'un que tu sais déjà d'avance que vous n'aurez rien? Au contraire, cette personne-là va t'amener dans sa malédiction. Ruth était dans ces cas. Il y a des gens qui n'arrivent pas à t'approcher parce qu'ils se disent que tu as quelque chose qu'ils ne peuvent pas gagner de toi. Mais ce qu'ils ne savent pas, que Dieu qui a un plan merveilleux, petit à petit, il est en train d'amener Ruth. Ruth ne veut pas se marier à Moab. Parce que Ruth voyait à Naomi que les ouvertures étaient là. Quel est ton Naomi ce matin? Ne regarde pas parce qu'elle est vieille. Ne regarde pas parce qu'elle est fatiguée. La main de Dieu, lorsqu'elle est sur toi, tu veilleras aux relations que tu vas contracter. Oh! Amen. Amen. Dieu, Nzambe, il veille aux relations que nous allons contracter. Ne regarde pas cette personne écoute. Non. Dieu veillera à cela. Ruth, elle a renoncé à la sécurité financière. Vous savez, il nous est facile de faire de la commerce dans une ville qu'on connaît. Il nous est facile de gagner beaucoup d'argent dans un pays que l'on connaît. Là où est à Moab, Ruth, elle pouvait avoir de l'argent. Elle pouvait avoir un mari qui allait tout supporter. Mais elle a renoncé à cela pour partir avec sa belle-mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un jour, je faisais, je ne sais pas si c'est Maman Sylvie ou Maman Janine. Je leur ai dit ceci. Ah, je fais maintenant attention de trop m'investir à mes garçons.